celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour jouer un tube sur votre piano, c'est celui de Belle. C'est un titre qui a été créé pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris et qui a été repris au goût du jour par Gibbs, Dadju et Slimane. Donc, on va avoir une partie différente pour chaque chanteur. L'enchaînement sera le même, mais les tonalités vont être différentes. Ça va nous demander d'apprendre pas mal d'accords sur notre piano. Mais quoi de plus beau challenge que d'apprendre le dernier hit sur votre piano? Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec leurs accords, n'hésitez pas à télécharger gratuitement les premières leçons pour apprendre vos premiers accords et chanter vos premières chansons au piano, c'est gratuit. Et le lien est dans la description de la vidéo. Pour jouer ce morceau, on va donc avoir une panelle d'accords, mais on va structurer ce tutoriel en trois parties pour avoir la partie de Slimane, la partie de Dadju et la partie de Maître Gibbs. Ce tutoriel est assez long, n'hésitez pas à télécharger la partition sur Tipeee, ça me permettra en même temps de soutenir ma chaîne. Donc pour petit mémo, si vous voulez souscrire à toutes les partitions du mois, vous laissez 5 euros. Si vous voulez seulement la partition, vous me laissez un tips de minimum 1 euro en m'indiquant en commentaire la chanson que vous voulez, donc à savoir Belle, et le tour est joué pour recevoir la partition. On va donc commencer avec la partie de Slimane. J'essaye de vous la faire en piano-voix. Bien sûr, il y a 3 chanteurs différents, donc c'est pas facile à chanter quand on est tout seul. Mais j'imagine que pour faire des soirées, ça peut être idéal. On va donc avoir 3 parties qui vont structurer cette chanson. On va avoir un premier enchaînement d'accords que l'on va répéter 4 fois en tonalité de Ré mineur. Et ensuite, on se déplacera pour aller en tonalité de Si mineur. Ça tout en détail. Et ensuite il restera la transition pour aller sur la partie de Dadju. Voici donc le premier enchaînement. On va commencer avec un accord de Ré mineur. La, Ré, Fa. Violet, orange et vert. Une fois qu'on a cet accord, on va utiliser notre doigt position 1-3-5 ou 1-2-4. Sachant qu'avec la position 1-2-4, on peut utiliser l'index comme pivot pour enchaîner avec le deuxième accord, un Sol mineur, Si bémol, Ré, Sol, violet rose, orange et bleu. Ensuite, on va utiliser le petit doigt comme pivot et on va venir jouer un accord de La majeur, 7, donc 4 sons, La, Do dièse, Mi, Sol. Et ce seront les 4 accords à avoir sous vos doigts pour cette première partie, puisque le premier accord, on va le jouer 2 fois. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et... On va
jouer 4 noirs sur le premier accord, puis 2 noirs sur les suivants. À la main gauche, j'ai joué des octaves. Vous pouvez aussi simplement jouer la basse, ça marche très bien. Et en plus, ça évite les déplacements. Moi, j'aime bien avoir un gros son parce que je suis sur mon synthé, donc ça rend le son un peu plus épais. Et j'utilise la technique que l'on avait vue dans mon tutoriel, que je vous mets juste en haut, donner plus de style à vos accompagnements pop. Donc... avec les paroles. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Et sur le mot pied, on va changer de tonalité, on l'entend bien d'ailleurs à l'oreille. Et on va donc avoir un nouvel enchaînement d'accords. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de tonalité, en fait, on va retrouver assez rapidement nos accords, puisqu'on va avoir le même enchaînement de renversement. Ça veut dire que lors de mon passage sur Ré mineur, la première partie qu'on vient d'apprendre, j'ai joué un accord avec une position de deuxième renversement, j'ai utilisé mon doigt au milieu comme pivot, et j'ai enchaîné un accord du premier renversement. Et ensuite, j'ai utilisé mon petit doigt et j'ai utilisé un accord parfait avec une septième. Donc en fait, c'est, on peut dire, comme un moule, comme un enchaînement d'empreintes que l'on va pouvoir refaire sur la tonalité de si mineur. On va retrouver un accord de si mineur, donc fa dièse, si et ré. C'est un accord de deuxième renversement, comme tout à l'heure. Je vais utiliser mon index comme pivot sur le si, et je vais déplacer mon pouce d'une touche vers la droite, et mon petit doigt, je vais l'ajouter sous la touche. Ça me donne un accord de mi, mi mineur, sol, si, mi, bleu, rose, jaune. Et après, comme on l'attendait bien, un accord de 7, une septième de dominante, en position parfaite, c'est un fa dièse. Fa dièse, la dièse, do dièse, mi. Trois touches noires et une touche blanche. Donc je recommence. Si, mi, fa dièse, si. Mais ce ne seront pas les seuls accords pour cette deuxième partie. On va alterner une fois sur deux ces trois accords. Toujours 4 fois le premier accord, 2, 3, 4, et 2 fois les autres, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la deuxième fois je rejoue donc le si 4 fois, le mi 2 fois, et ensuite un la majeur, on vient emprunter les accords à une autre tonalité, celle de ré mineur, la, do dièse, mi. Position parfaite et un accord de ré majeur, donc fa dièse, la et ré, vert, bleu, violet et orange. Donc on va alterner ça une fois sur deux. Première partie, 2, 3, 4, le mi, le fa dièse et le si. 1, La majeur, le Ré majeur, et je reviens. J'enchaîne ça une deuxième fois. 3, 4, le Mi, le Fa dièse, et le Si. 2, 3, 4, le Mi, le La dièse, et le Ré majeur. Ensuite, je vais avoir encore un enchaînement. Je vais rejouer une fois. Je vais rejouer deux noirs sur mon Ré majeur et je vais jouer quatre fois le Fa dièse mineur majeur 7. 1, 2, 3,
je reviens sur le si. Quatre fois si. Vous savez, ça correspond à la partie. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois. Et ensuite, je refais l'enchaînement. Si, mi, fa dièse, si. Et là, on arrivera sur la troisième partie. Donc on enchaîne deux fois l'alternance des accords et on rajoute la petite fin. Je vous la joue une fois sans chanter et ensuite on met les paroles dessus. Donc avec les paroles. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Et là, on a la petite transition. Donc avoir un accord de si 3-4 fois, puis deux fois l'accord de mi et deux fois l'accord de la majeur. Donc ça on sait faire. Et là je reviens sur la première partie ré mineur 4 fois, le sol mineur 2 fois et un accord de do majeur. Do mi sol. Rouge, jaune et bleu. Ré, 4 fois. Et le sol, 2 fois. Et le do. Et là, on ira sur la partie de Dadju. C'est parti, je vous enchaîne tout le couplet. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer où s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. On attaque avec la partie de Dadju. Pour ceux qui aiment ce tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu avant de passer à la suite et pourquoi pas vous abonner pour recevoir les prochaines chansons que je mettrai en ligne pour vous.
Donc pour la partie de Dadju, on va retrouver des accords que l'on avait dans la tonalité de Ré mineur, mais on va surtout moduler en Fa mineur. Donc je vous rechante toute la partie de Dadju, et ensuite on voit ça pas à pas ensemble. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné dans elle, pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Voici les accords. On commence déjà dans une première tonalité, mais on va retrouver les mêmes renversements, les mêmes positions d'accords. Donc, deuxième renversement sur un Fa mineur, Do, Fa, La bémol, donc rouge, vert et bleu-violet. Ensuite, je sers mon index comme un pivot pour un accord de Si bémol mineur, donc Ré bémol, Fa, Si bémol, orange, rouge, orange, vert et violet, rose. Et ensuite, je vais avoir un accord de Do7. Donc c'est un accord de Do majeur, comme tout à l'heure, Do, Mi, Sol, avec le Si bémol que j'ai gardé sous le petit doigt. Vous vous souvenez, c'est la note pivot que j'avais avec le Si bémol. Et ça, on va l'enchaîner 4 fois. 3, 4... deux fois le Si et deux fois le Do. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de à la fin, je dois conclure sur un accord de Ré mineur sur le mot ciel. C'est la même position que tout à l'heure. On va retrouver aussi notre accord de Sol mineur, La7, mais on va aussi rencontrer deux autres accords, car vous savez, c'est comme la deuxième partie de Slimane, on va avoir une alternance sur deux boucles. Donc la première, on la connaît, donc Ré, 2, 3, 4, Sol mineur, La7. La deuxième fois, on va refaire le Ré, 4 fois, 2 fois le Sol mineur, ensuite 2 fois le Do7, sauf que cette fois-ci, au lieu de décaler tous mes doigts pour aller chercher le Si bémol dans les aigus, et ben je l'ai juste sous mon pouce. Donc Si bémol, Do, Mi, Sol. Une fois que j'ai ça, je fais un accord de Fa majeur. Fa, Do, Fa. Violet, rouge et vert. Donc je vous enchaîne ces deux parties. Ré, 2, 3, 4, le Sol mineur, le La7, le Ré, 2, 3, 4, le Sol mineur, le Do et le Fa. Et je vais jouer ça deux fois. Une fois que c'est fait, je vais rester, comme pour la version de Slimane, encore deux noirs sur le Fa, avant de rester quatre fois sur l'accord de La7.
fois sur le Ré. Et je reprendrai Sol mineur, le La 7 et le Ré mineur. Une fois qu'on aura fait ça, il nous restera donc la partie instrumentale. Comme tout à l'heure, je vous l'enchaîne une fois sans chanter et une fois avec les paroles. On va donc avoir la petite partie instrumentale. Je jouerai donc 4 fois mon Ré, le Sol mineur 2 fois et le Do 7. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et je reviens sur la tonalité de Fa mineur. 2, 3, 4, 2 fois le Si bémol mineur et 2 fois un Mi bémol. On l'aura aussi pour tout à l'heure. Mi bémol, Sol, Si bémol, orange, jaune, bleu et violet rose. Et là, on arrive sur la partie de Maître Gibbs. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir mon émerveille, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel, ma dulcinée, oh laisse-moi être infidèle. Avant de vous voir mener jusqu'à l'autel, quel est l'homme qui détournerait son regard sous peine d'être changé en statue de sel? Aux fleurs de lys, oh, je ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir un fleur d'amour d'Esmeralda. On va donc apprendre à jouer cette dernière partie pas à pas et on va commencer avec la première partie. Vous rappelez-vous, on va avoir pour cette première partie 3 accords que l'on va enchaîner 4 fois. Le premier, c'est un La bémol mineur, Mi bémol, La bémol et Si, Do mineur, Do bémol, pardon. Ça me donne
orange jaune, bleu violet et rose, que je joue 4 fois. Ensuite, je me sers de l'index comme pivot et je vais faire mi, donc la bémol et ré bémol. Le mi équivaut au fa bémol en fait, pour avoir un accord de ré bémol mineur. Donc jaune, bleu violet et rouge orange. Ensuite, un accord position parfaite avec sa septième, c'est mi bémol 7 avec mi bémol, sol, si bémol et ré bémol. 2, 3, 4, le ré bémol mineur et le mi bémol 7. Et on fait ça 4 fois. À la fin, on va conclure en revenant sur la tonalité d'avant sur un fa mineur comme tout à l'heure. Donc on va avoir le fa mineur que l'on va jouer 4 fois. Ensuite, le si bémol comme tout à l'heure, le do 7. Et rappelez-vous, cette cadence, je vais l'alterner avec une autre cadence un peu similaire. Donc fa 4 fois, le si bémol, le mi bémol, donc comme tout à l'heure, mais sans la septième, mi bémol, sol, si bémol, et ensuite un la bémol majeur, donc do, mi bémol, la bémol, rouge, orange, jaune et bleu violet. On recommence sur ces deux cadences et je les enchaîne deux fois, comme dans la chanson. Fa, le si, do 7, le fa mineur, le si bémol, le mi bémol et le la bémol. Une deuxième fois. Je reste sur cet accord une deuxième fois et ensuite je ferai le do 7 4 fois et le fa 4 fois avant de reprendre une dernière fois la boucle si bémol, do 7 et fa, et on arrivera à la partie instrumentale. Voici donc toute la deuxième partie avec le chant. Après, on arrivera sur la partie avec les trois chanteurs, mais juste avant, la petite partie instrumentale. Fa mineur, 4 fois, le si bémol mineur et le mi bémol. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et je vais faire aussi la grille sur le la bémol. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et ce sera tout.
chanterons tous ensemble, on va refaire la grille que l'on vient de faire sur le Fa mineur. Avec les paroles, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on joue. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celle et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Et là, vous aurez donc l'intégralité de ce morceau au bout des doigts. Voilà pour ce tutoriel qui est assez complet. N'hésitez pas à vraiment le suivre pas à pas pour avoir tous les accords. Et pourquoi pas à m'envoyer un message sur Tipeee pour recevoir la partition. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui aiment mon concept, vous pouvez retrouver tous mes cours de piano en ligne sur mon site deschansonsaubouddesdoigts.com. À bientôt !